Bienvenue, la tartiflette feuilletée, dans les plats Cuisine Family. Pour cette recette, il vous faudra 150 g de lardons, un reblochon, 8 pommes de terre, 2 oignons et une pâte feuilletée. Dans un premier temps, faites revenir les lardons. Pendant ce temps-là, coupez des rondelles d'oignons. Une fois que les lardons sont grillés, mettez à réduire les oignons à feu très doux. Découpez le reblochon. Il suffit de le découper en petites parts pour pouvoir les disposer facilement sur votre pâte feuilletée. Épluchez les pommes de terre. Attention, c'est chaud! Et là, on les découpe en rondelles. Sur votre pâte feuilletée, disposez vos pommes de terre. Attention, n'en mettez pas trop pour pouvoir refermer votre pâte feuilletée. Disposez vos lardons grillés. Disposez ensuite votre reblochon. N'oubliez pas de cliquer sur la louche pour vous abonner, juste en bas à droite. Découpez la pâte feuilletée sur les côtés afin de pouvoir réaliser une tresse. Repliez ensuite la pâte feuilletée côté par côté en rebouclant sur le côté précédent. Ensuite, cassez un œuf, récupérez le jaune et badigeonnez. Profitez-en, levez un peu pour pouvoir tout bien coller. Et comme ça, votre tarte sera bien dorée. Votre tarte iflette. Wouhou ! Il ne reste plus qu'à enfourner à 150 degrés pendant 20 minutes. Bon appétit !